Ibrahima Dien, je suis ingénieur électromécanicien diplômé au Sénégal et actuellement je fais un master spécialisé sécurité industrielle et environnement à l'IMT Minales. Avant j'avais un diplôme d'ingénieur en électromécanique au Sénégal, donc je voulais me spécialiser dans le domaine des risques. Donc j'avais connu quelqu'un qui avait déjà fait ce master-là et c'est pourquoi j'ai pas hésité à intégrer IMT Minales. De pouvoir acquérir des compétences qui te serviront en entreprise et de pouvoir bien avoir une spécialisation et de ne pas sortir qu'en tant qu'ingénieur généraliste. Notamment en fait l'approche projet. Donc on réalise beaucoup de projets durant le cursus. Donc même je dirais 50% de projets et 50% de travail en classe. Donc c'est ce qui permet en fait d'être bien opérationnel avant la sortie de CIMA. L'idée du master sécurité industrielle et environnement, c'est de former en fait un ingénieur qui est expert en risque industriel, qui permettra en fait d'évaluer les risques industriels et naturels en entreprise. Donc il va faire en fait toutes les études qui sont de conception, qui lui permettra en fait d'évaluer ces risques et d'analyser les conséquences sur une industrie qui est donnée. Donc ces études peuvent être faites dans différents domaines, tels que le nucléaire, les industries, mais aussi cet ingénieur en risque industriel peut travailler aussi dans l'assurance en tant que préventeur risque industriel pour les assureurs. Ma thèse était de développer un outil d'inondation interne chez Assystem, donc qui est dans le domaine du nucléaire. Donc ça s'est généralement bien passé et j'ai présenté ma thèse aujourd'hui. J'ai utilisé beaucoup de mes compétences du master, notamment l'analyse des risques. Donc je devais évaluer le risque d'inondation interne, j'ai pu appliquer la démarche que j'ai appris ici à l'école. Et j'ai utilisé aussi mes compétences à FAST, Process Hazard Analysis. Je me suis bien inspiré de ce logiciel pour réaliser mon outil. L'idée en fait c'est de continuer avec mon entreprise d'accueil du stage, donc dans le mois de septembre. Et après de pouvoir utiliser mes compétences acquises au niveau du master, notamment en risque industriel. Et après de pouvoir se projeter et pouvoir servir mon pays qui est le Sénégal.